c'est fait, grimpe sur notre bulle. C'est comme ça qu'on circule. C'est l'évasion vers d'autres horizons. Y'a plein d'animaux, sont tous très rigolos. Allons les voir pour de nouvelles histoires. Coquin, câline, César et Capuchin. Bon, César, Capucine, maintenant vous arrêtez les cascades. Un canapé, ce n'est pas fait pour sauter dessus. On va pas le casser, c'est promis, oh. En plus, vous risquez de tomber. Mais non, on risque rien, ça rebondit, hop. Allez, s'il vous plaît, vous restez un peu tranquille maintenant, d'accord? On va choisir un livre. On veut sauter sur le canapé. Faire n'importe quoi, c'est chouette. On n'a qu'à aller faire des bons ailleurs, d'accord? Des flocons de neige géants. Comme c'est beau. Capucine. Salut les mômes. Vous venez? On va faire du patinage. Viens là, toi. Et qu'est-ce que j'en fais après? Tiens-le bien pendant qu'on va réparer la fissure. Hein? Oh non! Mais où il va? Petit pingouin, laisse-nous t'attraper. Juste le temps de réparer la patinoire. Il écoute rien. Oh ben, il est parti. Il faut l'attraper avant qu'il ne fasse d'autres bêtises. Ça te dit une petite glissade? Oui, youpi, une glissade. Non. Une glissade? Comment? Youhou. Ouais. Trop cool. Jamais. Tu veux traverser sur les glaçons, toi? T'as pas peur de tomber dans l'eau glaciale? Vous inquiétez pas, les mômes, c'est super facile. Pas très réussi comme démonstration. Regarde, César, moi je te montre comment on fait. Bon, c'est fini, oui. Maintenant, vous descendez. C'est plus drôle du tout.
Attachez vos ceintures. Décollage immédiat pour l'autre côté du lac. Tu viens, gros nounours tout doux. Youhou. Oh. Moi, je suis un peu trop lourd pour les flocons. On pourra jamais les suivre. Je crois qu'on ferait mieux d'aller réparer la patinoire. Mais non, vous inquiétez pas, le pont est super solide. T'es sûr que ça va tenir, gros doudou? Mais oui, c'est moi qui l'ai construit, ce pont. Bon, alors, on va la réparer, cette patinoire? Les mômes, je vais avoir besoin de votre aide. Ne t'inquiète pas, je suis le meilleur réparateur de patinoires du monde entier. Ah bon? T'en as réparé combien des patinoires déjà? Non, mais qu'est-ce qu'ils fabriquent? Oh, ils ont déjà réparé la patinoire. Pour une fois que leurs bons sont utiles. Oh, oh! Laissons-les faire! Bon travail, les pingouins! C'est chouette! Tu vas pouvoir de nouveau t'amuser avec les pingouins sur la patinoire! Et la prochaine fois, c'est moi qui réparerai les fissures, d'accord? D'accord! Et merci encore, les mômes! Revenez vite pour qu'on fasse d'autres glissades ensemble! Et voilà, j'ai trouvé un super livre pour vous. Une histoire de pingouins, ça vous va? Oui, les pingouins, on les préfère dans les histoires. Parce qu'en vrai, ils sautent partout et c'est fatigant. Attention, papa! Assieds-toi doucement pour ne pas rebondir. Ah oui, maintenant on va être calme. Papounet!